Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui ont l'habitude de mentionner « Je suis désespéré dans la vie. Ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a aucun sens. Tu penses que tu n'es rien dans la vie. Toi-même, tu t'es dit que tu n'es rien. Subhanallah. Toi-même, tu dis que ta vie n'a pas de sens. Toi-même, toi seul, tu dis que toi, tu n'es rien dans la société, que tu es venu pour accompagner les autres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais la chance que tu as? Est-ce que tu sais la chance que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée? Juste le fait d'avoir le souffle de vie. Alors, je vais tout simplement te donner le remède pour comprendre que ta vie a vraiment un sens. Va simplement au cimetière. Arrête-toi juste devant le cimetière. Jette un coup d'œil sur les tombes que tu vois devant toi. Il y a des waliullah, il y a des prophètes, il y a des savants, il y a des présidents qui sont enterrés là-bas. Ceux-là, c'est eux qui doivent chercher de l'espoir. Mais eux, ils ne peuvent pas avoir de l'espoir. Mais toi, tant que tu as le souffle de vie, l'espoir est permis pour toi. Alors pourquoi tu te dénigres toi-même? Pourquoi tu penses que tu n'as pas la possibilité de réussir? Pourquoi tu penses que tu n'as pas la possibilité d'être parmi les meilleurs? Pourquoi tu penses que tu es derrière tout le monde? Pourquoi tu penses que ta vie n'a pas de sens? Pourquoi tu penses que les gens te détestent? Non, ta vie a bel et bien un sens. Mais c'est toi qui dois développer cela. C'est toi qui dois mettre ta vie en valeur. Tout simplement, il faut croire en soi. Alors, ne gâche pas la chance que Allah t'a donnée, le fait d'avoir le souffle de vie jusqu'à présent. Là, tu as de l'espoir. Sinon, ceux qui sont couchés dans les tombes n'ont plus d'espoir. Mais toi, tu as de l'espoir. Va de l'avant, mon frère. Va de l'avant, ma soeur. Fixe-toi sur ton objectif et Allah t'aidera. Ne te dénigre jamais dans la société, mais sois parmi les meilleurs. Qu'Allah nous guide, inshallah, pour connaître que tu as de la chance, qu'il y a vraiment de la chance, va au cimetière et tu vas comprendre cela.